cette séance académique 2012-2013 marque une émouvante passation de flambeau. C'est la première fois, en effet, depuis 1986, année de la création de nos prix, que nous nous réunissons sans notre regretté Paul Alter. Il avait grand plaisir à présider cette remise de prix. Il aurait eu 93 ans aujourd'hui. Il disait toujours 10, 10, 20, sa date de naissance. Je tiens à lui dédier cette cérémonie. Ik wens de stad Brussel te bedanken om ons ieder jaar weer te willen ontvangen in deze prachtige zaal voor de uitreiking van de prijzen van de Auschwitz-stichting, maar ook voor het ter beschikking stellen van lokalen in haar archiefgebouw van de stad. En dit sinds onze oprichting in 1980, dus reeds 33 jaar. Nous sommes inquiets de constater le développement des mouvements d'extrême droite, voire néo-nazis dans toute l'Europe. Des partis nationalistes et racistes, ils se sont habilement reconvertis en partis moins infréquentables. Notre bourgmestre parlait de la France. Ils se sont reconvertis en partis populistes et xénophobes. Ils ne se déclarent donc plus racistes, mais xénophobes. Voyez la nuance. Xénophobie impliquant pour eux un nationalisme pur et dur. Ils jouent sur le désarroi que crée la globalisation et l'immigration et parviennent à séduire par un discours simpliste de larges publics, dont hélas beaucoup de jeunes. Ils arrivent à séduire au-delà des clivages sociaux, devenant, même dans certains pays, des partis de gouvernement. Comment se situe l'action de la Fondation Auschwitz dans ce contexte? Het hoofddoel van de Auschwitz Stichting is om onze jongeren bewust te maken van het gevaar dat schuilt in extremen. Of deze nu politiek of religieus zijn, en waartoe deze kunnen leiden. De prijzen van de Auschwitz-stichting richten zich tot het universitair publiek. Le compas de ces prix Fondation Auschwitz est largement ouvert. Nous avons par exemple récompensé des travaux sur les causes économiques du génocide rwandais et sur la dictature en Argentine. Notre concours annuel de dissertation s'adresse quant à lui à l'enseignement moyen sur des thèmes menant à réfléchir sur la démocratie. Ik dank de Vlaamse Commissie van Onderwijs en Vorming en de Franstalige Pedagogische Commissie voor het werk dat ze doen door te aanvaarden onze stem te zijn naar hun collega's toe. We hebben met het museum van de kazerne Dossin een vruchtbare samenwerking en hielden er zelfs de laatste vergadering van onze raad van bestuur. We zijn ook trots om dit jaar de 37e vijfdaagse studiereis naar Auschwitz-Birkenau te kunnen aanbieden. En outre, toujours dans le même esprit, notre directeur Philippe Ménard, qu'il soit remercié pour le travail remarquable qu'il réalise, a développé avec son équipe 4 expositions itinérantes, un bulletin pédagogique pour chaque communauté linguistique, un cycle de formation pour enseignants, un cycle de conférences grand public, un site web en français, néerlandais et anglais, et une newsletter également dans ces 3 langues. La formule de notre revue quadrimestrielle, quant à elle, est revue pour élargir son audience. Je voudrais terminer en vous remerciant tous ici présents, en vos grades et qualités, d'être venus ce soir. Votre présence est pour le conseil d'administration et l'équipe de la Fondation Auschwitz un grand encouragement.
Aan allen mijn welgemeende en hartelijke dank.